parle jamais suffisamment de la qualité de l'eau qu'on va absorber. Si l'on vivait dans la nature, eh bien nous absorberions de l'eau qui est proche de la terre, qui est dans ce que l'on mange, dans les légumes, dans les fruits, dans les racines que vous mangeriez. Et aujourd'hui, eh bien nous nous sommes éloignés de ce principe. Alors vous allez me dire, de l'eau, eh bien qu'elle soit en bouteille ou pas, c'est de l'eau. Eh bien non, il y a une structuration de l'eau, notamment au niveau cellulaire, une organisation des molécules d'eau qui est bien particulière, spécifique aux êtres vivants. Et quand vous absorbez de l'eau du robinet, quand vous absorbez de l'eau en bouteille, eh bien votre corps doit donner un petit peu de son énergie pour pouvoir l'organiser et bien l'intégrer à l'intérieur de nous. Alors, j'ai la chance d'être dans un pays où on a accès à une eau, voilà, la Copo Verde, à une eau qui est très bien structurée. Et je peux vous dire qu'à l'intérieur du corps, on peut ressentir et on peut voir au niveau de la peau les effets d'une eau structurée que vous allez intégrer immédiatement. Alors ça reste toujours une économie d'énergie. Si on n'a pas accès à une eau vivante, d'un légume qui est fraîchement cueilli, d'un fruit qui est fraîchement cueilli, eh bien on a d'autres solutions. Alors aujourd'hui, il y a des systèmes d'organisation de l'eau. J'y crois moyennement, hein, parce que reproduire les processus naturels, c'est pas si simple que ça. Et quand l'homme essaye de se prendre pour Dieu, généralement ça se termine pas bien. Donc le plus simple, c'est d'essayer d'avoir des fruits et des légumes que l'on va manger crus, le plus proche de leur cueillette. C'est là qu'on aura vraiment une eau la plus organisée possible et la mieux intégrable. Mais si je bois de l'eau du robinet, si je bois de l'eau en bouteille, si je bois de l'eau filtrée, eh bien votre corps a quand même des capacités d'organiser l'eau. Il a des champs électromagnétiques à l'intérieur de lui. C'est pas la fin du monde si vous n'avez pas absorbé de l'eau organisée. Mais sachons, nous devons savoir une chose, c'est que votre corps devra alors donner de l'énergie pour organiser l'eau. Alors, s'il n'en a déjà pas suffisamment, ça ne va pas améliorer les choses. Mais voilà, faisons du mieux que l'on peut. Et je pense que voilà, c'était intéressant d'en parler aujourd'hui, de cette organisation de l'eau et comment ça se passe à l'intérieur du corps. Et pourquoi, oui, quand on mange des fruits, des légumes fraîchement cueillis, eh bien, ça n'a pas le même effet à l'intérieur du corps.